Je vais vous parler de Lecomte de Lisle, le poète réunionnais, Lecomte de Lisle, le poète le plus illustre de la Réunion, qui a donc vécu de 1818 à 1894. Donc Lecomte de Lisle est un poète du 19e siècle. On le considère comme le chef de file du mouvement parnassien. Alors, c'est quoi le parnassien? Je ne vais pas rentrer trop dans dans ce genre de choses. Moi, je suis historien, un problème plutôt de poète. Les Parnassiens considéraient qu'il fallait faire une rupture avec le romantisme, et donc le mouvement parnassien, c'est un mouvement plutôt anti-lyrique, anti-sentimental, on va dire, pour simplement montrer le beau, BEAU, de la poésie. Bon, moi, je pense que le Comte de Lisle était à la fois romantique et parnassien. J'ai intitulé ma communication Entre créoles et bretons, les racines de Lecomte de Lisle, puisque c'est ce que l'on m'a demandé de faire. Entre créoles et bretons, ça vous rappelle, si vous avez déjà vu les vidéos précédentes, un livre que j'ai écrit Entre créoles et bretons, ces racines qui nous libèrent, d'où le titre. Mais vous allez voir, le titre est lié aussi à certaines choses qui ont été écrites par les journalistes. Alors, le celtisme a eu une grande influence sur l'imaginaire de l'Europe occidentale au XIXe siècle. C'est une évidence. Avec la reprise par les lettrés bretons et gallois de la matière de Bretagne, issue de l'époque médiévale, alliée à un idéal social qui se retrouve naturellement dans le romantisme littéraire, avec comme chef de file François-René de Chateaubriand. Le comte de Lisle, qui a passé une grande partie de son enfance et de son adolescence en Bretagne, qui retourne y vivre à l'âge de 19 ans, n'y échappe pas. Le journaliste Erwan Hirel écrit dans un article qu'il rédige en octobre 2000 pour Le Quotidien, le journal de l'île de la Réunion Quotidien, intitulé justement Entre créoles et bretons, les racines de Lecomte de Lisle, d'où le titre de ma communication de cet après-midi. Et voilà ce qu'écrit Erwan Hirel. En parlant de Lecomte de Lisle, il fera son profit de la légende celtique de la ville marquée, 1859, auquel on doit aussi le fameux Barzaz-Breiz, ou encore du foyer breton des Mille Soulvestres. Toute une civilisation à la fois rude et pure, d'embrun et de roc, lui permettra de renouer avec des racines profondément enfouies. Certains auteurs se sont d'ailleurs plu à disséquer son âme celte, le comte de Lisle. Mais il faut le reconnaître, dit Hirel, c'est bien la nature tropicale de l'île natale, cette ardente et féconde et magnifique nature de Bourbon, à l'époque l'île de la Réunion s'appelle l'île Bourbon, qui a durablement façonné l'essence de celui qui s'en fait le paysagiste. Un beau pays, tout rempli de fleurs, de lumière et d'azur, qui l'a fait entrer au panthéon des lettres. Voilà ce qu'écrit Erwan Hirel à propos de Lecomte de Lisle. Sa conclusion convient parfaitement, mais sans doute faut-il nuancer quelques traits pour en approfondir d'autres et pour mieux cerner la personnalité de Lecomte de Lisle. Je rappellerai que le futur poète naît à Saint-Paul de l'île de la Réunion en 1818, d'un père breton et d'une mère réunionnaise, qu'il part vivre en Bretagne à Dinan puis à Nantes, avec ses parents alors qu'il a 4 ans, et que sa famille se réinstalle à l'île Bourbon en 1832, il a alors 14 ans. C'est-à-dire qu'il a passé déjà les 10 premières années de sa jeunesse, de son enfance, de son adolescence, en Bretagne. Il repart seul en Bretagne pour ses études de droit à 19 ans. Il revient dans son île natale 6 ans plus tard, mais la quitte définitivement pour Paris en 1845. Le comte de Lisle a alors 27 ans. Il n'a donc séjourné qu'une dizaine d'années à La Réunion, dont 4 ans de sa tendre enfance qu'il ne peut avoir raisonnablement gardé en mémoire. Il a vécu 16 ans de son adolescence et de sa jeunesse en Bretagne et il passe le reste de sa vie, soit un demi-siècle, à Paris. Voilà la vie de Lecomte de Lisle. Alors maintenant, on va se poser des questions. Parce que les Réunionnais revendiquent l'origine de Lecomte de Lisle réunionnais. Eh bien, est-ce que Lecomte de Lisle était créole?
Grande question. Et d'abord, lui-même se serait-il dit créole? On est au 19e siècle, hein? Alors, sur le plan local, le terme créole, au début du 19e siècle, a un caractère péjoratif, réservé quasi exclusivement aux esclaves ou descendants d'esclaves nés dans l'île et occasionnellement aux petits planteurs. Occasionnellement. Citation, dans les recensements faits à l'île Bourbon avant 1848, on distingue les esclaves créoles nés dans l'île, sans distinction de race ou de couleur, des esclaves malgaches, caf ou indiens venus de l'extérieur. Il semble que la signification reprend une connotation raciale après l'abolition, surtout à cause de l'arrivée massive de nouveaux immigrants de couleur, des engagés indiens. Les Blancs nés dans l'île se reconnaissant seuls le droit à l'appellation de créole à cette époque-là. Donc vous voyez la nuance, hein, c'est quand on parle de créole, on ne sait plus trop au 19e siècle de qui on parle. Les autres, ceux qui sont jugés non créoles, sont appelés caf pour les descendants d'Africains, malbar pour les descendants d'Indiens, zarab pour les descendants d'Indo-musulmans, chinois, comoriens, etc. Hein, malgaches. Pour Mario Serviable, géographe de renom de l'île de la Réunion, mais également historien de qualité, c'est seulement vers 1920 que la haute bourgeoisie blanche cherche à se réapproprier l'appellation créole pour en faire un objet de promotion identitaire spécifique, sous l'impulsion de Raphaël Barquisseau, louant dans sa thèse de doctorat les mérites des poètes réunionnais des siècles passés, surtout du 19e siècle, et donc de Le Comte de Lisle. Donc vous voyez que c'est la définition du terme créole est très pénible et très difficile à définir, à faire au 19e siècle. Cependant, Le Comte de Lisle, homme du 19e siècle, issu de la noblesse bourgeoise et bourbonnaise de sa mère, les Deriscou de Lanux, hein, démontre par son amour pour l'île Bourbon un profond sentiment d'appartenance au monde créole, donc son inaltérable créolité. Voici quelques vers tirés d'une poésie adressée de Bretagne à son ami Rouffet en 1838 et qu'il titre Une pensée. Je vous cite les vers. Vous m'avez bien compris, mon ciel étincelant, mes beaux arbres, les flots de mes grèves natales ont laissé dans mon cœur leurs souvenirs brûlants. Oui, j'éprouve loin d'eux des tristesses fatales. Ô mon île, ô mon doux et mon premier berceau, mère que j'ai quittée ainsi qu'un fils rebelle, j'irai sous tes palmiers me choisir un tombeau. La France est douce aussi, mais la France est moins belle. Là, il fait l'apologie de son île natale. D'ailleurs, selon Marius Henri Leblond, hein, donc des auteurs du 20e siècle, du milieu du 20e siècle, la rapacité d'appétit matériel des habitants de l'île, indifférents à la beauté du pays, frappe, impressionne désagréablement l'enfant songeur et déjà fervent du beau. Le créole est un homme grave, disent Leblond, avant l'âge. Ils écrivent ça en 1943. Amour, amitié, désir de l'inconnu, intelligence et savoir, tout cela ne vaut pas ici une graine de café. Voilà, donc les Leblond accusent les créoles, les gros créoles, les bourgeois créoles, de finalement ne pas faire du tout, de pas donner d'importance du tout au beau de l'île, mais simplement de s'intéresser à ce qui leur rapporte, c'est-à-dire le café. Et à cause de cela, sans doute, hein, le comte de Lisle montre un sentiment d'appartenance refoulé. Et en 1836, il adresse à son ami Adamol, hein, un poème qu'il intitule L'Invocation. Alors voilà ce qu'il écrit. Qui, toi, pauvre créole, veux-tu chanter ainsi? Ô noble poésie, gracieuse déité, douce sœur du génie, ton accent est sacré. Et il conclut, parole et ta parole éclairera ma nuit, et le pauvre créole pourra chanter aussi. Le comte de Lisle se dit bien créole, puisqu'il parle de lui.
Voilà. Deuxième question, le comte de Lille était-il breton, puisqu'il était de père breton et de mère créole? Eh bien, on trouve proportionnellement à son œuvre très fournie, relativement peu d'écrits faisant directement référence à la Bretagne. Jean-François Riverzy, hein, bien connu à l'île de la Réunion, éditeur, psychiatre, etc., me faisait part d'une véritable saga celtique publiée dans les poèmes barbares sous les titres Christine, Le jugement de Comore et Le massacre de Mona, donc tout ça de Comte de Lille. Mais c'est là l'apologie d'un monde celte antique ou médiéval. J'ai lu tout ça. Ça ne fait pas l'apologie de la Bretagne. Personnellement, je préfère un poème sans titre dans quelque chose qui est intitulé Œuvres diverses, qui évoque ainsi la Bretagne contemporaine, celle où il a vécu. Et voilà ce que dit le comte de Lille. La sévère Bretagne, à l'héroïque histoire, est une mère amie, féconde en noble fils. Elle a posé le glaive au pied du crucifix, mais la lyre aujourd'hui rayonne de sa gloire. Poète, au chant pieux, enfant fier et soumis, c'est à toi de bénir son austère mémoire. À sa rude beauté, nul ne saurait mieux croire que mon cœur qui s'entr'ouvre à des récits amis. Ciel grondeur, noir granit, grand chêne d'un autre âge, que la légende anime au milieu de l'orage, cathédrale, tombeau des saints morts en priant, donjon, grotte que ceint le lierre druidique, que deviendriez-vous, fleuron de l'Armorique, si la brise entraînait son rêve à l'Orient? C'est une poésie engagée. Moi, je la lis comme ça. L'Orient, c'est l'est de la Bretagne, c'est-à-dire c'est la France. Il invite donc la vieille province à lui tourner le dos. Notez bien. Souvent, on retrouve chez le comte de Lille ce que les Français appellent le bonheur triste des Bretons. Et autre citation, poème, le souvenir de ceux qu'on aimait autrefois, qu'on aime encore, sans doute est pur, mais parfois ce même souvenir oppresse la pensée et le vif sentiment d'une ivresse passée. Le poids cruel et lourd de notre isolement, ce bonheur envolé qu'on revoit si charmant, qu'alors on dédaignait comme une ardente flamme, tout revient éveiller la douleur en notre âme. Hein, c'est du bonheur triste. Hein. Plus loin, il exprime avec le même bonheur lyrique sa tristesse d'exilé, puisqu'il est en Bretagne. Ô tendre souvenance de mes jeunes moments, ma mobile espérance s'envole avec le temps. Ô ma douce patrie, plus je n'irai vers toi, de ma vie, pauvre moi. L'exil est mon partage, ma tombe est sous mes pieds. Ô ma douce patrie, plus je n'irai vers toi, de ma vie, pauvre moi. C'est là un conte de Lille bien breton. Troisième question, le comte de Lille était-il un républicain anti-religieux forcené? Il n'est pas du tout avéré que le comte de Lille père, ancien médecin militaire, était républicain. Le fils, donc le comte de Lille, est en totale opposition avec son géniteur, dont il ne supporte pas l'esprit colonial. Ça explique peut-être pourquoi il s'est exilé. Hein. Le père possède en 1845 42 esclaves qu'il loue à des tiers. Le poète semble être très tôt un bon républicain, mais plutôt consensuel. En 1848, s'il se met à la tête d'un groupe qui demande au gouvernement provisoire l'abolition de l'esclavage, cela ne l'empêche pas de collaborer au journal de son ami breton Robert de Lamennais, hein, prêtre contestataire, promoteur d'un libéralisme populaire et d'une démocratie chrétienne. Donc là, on n'est plus tout à fait dans la République. Hein. Le comte de Lille est et restera croyant. En 1838, il écrit ceci, qu'il est doux. Qu'il est doux, loin de la terre infime, comme l'aigle au soleil, pour le calme sublime, de s'élancer seul vers son Dieu. Près de 10 ans plus tard, dans un poème qu'il intitule La recherche de Dieu, il rédige un véritable psaume. Pareil à l'épi mûr devant le moissonneur, me voici face à toi avec la mort, Seigneur. Je meurs de votre faim, Seigneur. Et dans un autre,
Solitude, écrit peu de temps après le précédent, il dénonce carrément les thèses athéistes. Ô mon Dieu, se peut-il que l'homme vous renie, vous dont la main puissante a dispensé pour nous votre amour dans les cœurs. Ça, c'est pas de l'athéisme. Il écrira d'ailleurs la Passion en 1858 à la demande d'un peintre de ses amis et ne désavouera jamais cette œuvre, même si elle fut occultée par la suite. On est rentré dans l'anticléricalisme. Le comte de Lille flirtera à certains moments de sa vie avec le nihilisme, c'est-à-dire la croyance en rien, hein, le manichéisme même, voire l'ésotérisme. Bon, c'était un peu la mode à l'époque, hein, au XIXe siècle. Mais plus par déception que par conviction profonde. Son engagement fourriériste, hein, et les revers qu'il en subit le font sombrer dans le pessimisme religieux et social. Mais il ne faut jamais oublier que né d'un milieu aisé, il a pourtant pris très tôt le parti des opprimés, ne supportant pas l'esclavage et la maltraitance qu'il entraîne. Les Leblon affirment que plus les Blancs de Bourbon s'enrichissent, plus leurs mœurs deviennent délicates, se civilisent, et plus s'affine, se raffine leur inhumanité. Notez bien ça, c'est une phrase importante. Plus les Blancs de Bourbon s'enrichissent, plus leurs mœurs deviennent délicates, se civilisent, plus s'affine, se raffine leur inhumanité. C'est-à-dire que ces gens-là, qui au XVIIIe siècle n'auraient pas été très esclavagistes, le deviennent de plus en plus. Et pourtant, à Paris, progressivement, le comte de Lille abandonne son combat politique humaniste. Non qu'il ait renoncé à la lutte, écrit Charles le Comte, son neveu, hein, en 1909, à ce grand désir de justice sociale qu'il avait éprouvé dès qu'il avait été capable de comprendre les intimes aspirations de son intelligence et de son cœur, mais vaincu par le nombre de ceux que l'intérêt attache au régime établi, découragé aussi par l'insouciance et la veulerie des opprimés qui n'ont pas le courage de se défendre, notez bien, hein, il renonça à l'action sans toutefois trahir sa foi démocratique. Désabusé dans une partie de son idéal, il reporta vers l'art divin, vers la poésie, toute la force de son activité inutile ailleurs. Ça, c'est le témoignage de son neveu Charles le Comte de Lille. Alors, en conclusion, que dire de le Comte de Lille? Ben moi, je dirais qu'il était surtout un humaniste, amoureux du beau, bien sûr, puisque c'est le qualificatif qu'on lui a donné, idéaliste, hein, tant chrétien que républicain. Madame Beer, amie intime du poète, sur la fin de la vie de ce dernier, écrira « Tout au long du jour, il était poursuivi par les cris des Noirs qu'on frappait. Devant les cases mal closes, il entendait les hurlements plaintifs, les supplications désespérées. Grâce, maître !» Et ce cri lamentable dont il s'était habitué le déchirait à présent et l'affolait. Il regardait les jeunes filles passer, blanches et délicates, drapées de claires mousselines, telles des anges de lumière devant les cases entrouvertes. Elles entendaient les gémissements avec un sourire sur leurs lèvres rouges. Bien sûr, le chrétien social qu'il était à ses débuts, puisque le comte de Lille a collaboré à la revue littéraire rennaise La Variété, qui était une revue de chrétienne sociale, en 1840, a pris ensuite des positions très anticléricales. Hein? Et ça, c'est la marque qu'on a gardée de le comte de Lille, c'est qu'il était anticléricaliste. Mais la hiérarchie catholique parisienne de l'époque, hein, obsédée par son maintien politique et férocement anti-républicain, il faut savoir qu'à l'époque, la France est catholique, quoi, hein, l'État est catholique. Il faut attendre la fin du XIXe siècle pour que l'État devienne, religieux, on va dire. Hein. Eh bien, cette élite religieuse ne se souciait guère d'art et de poésie, ni de faire du social et de l'humanitaire. Donc, un poète comme le comte de Lille ne comptait pas pour les religieux. Évidemment, lui ne pouvait pas non plus leur donner raison. Voilà qui était le comte de Lille. Bonne soirée.